Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans Cocina con Touk, nous allons faire avec le Kumpaku Kelit une huile piquante au poivre de Sichuan. Dans la description, vous retrouverez les ingrédients et les quantités, et aussi les paramètres pour utiliser la machine. Dans cette recette, nous aurons besoin de quelques grains de poivre de Sichuan, de piment sec, de l'huile d'arachide ou d'un autre végétal avec un goût plutôt neutre, et du sel. Commençons par griller à la poêle les piments secs à feu vif pendant une minute. Installons ensuite l'accessoire à quatre couteaux dans le bol, puis jetons les piments et les grains de poivre de Sichuan. Fermons en mettant entre le couvercle et le bol un papier absorbant et allumons l'appareil. Appuyons sur le bouton central. Sélectionnons la fonction Pulse, broyer, piler, qui se met aussitôt en marche sous la pression de notre doigt. Et dès que nous le relâchons, l'appareil se détient. Appuyons sur l'icône de la fonction environ 30 secondes. Et laissons passer au moins une minute avant d'ouvrir le couvercle pour que la poudre tombe au fond du bol. Ajoutons l'huile et un peu de sel à notre goût. Et fermons. Mettons le temps à 20 minutes. La température à 70 degrés et la vitesse à 1. Et appuyons sur le bouton de démarrage. Et voilà, notre huile piquante au poivre de Sichuan est prête. Laissons reposer au moins 2 semaines pour que l'huile prenne toute sa saveur. Bon appétit et au revoir et à bientôt.